Donc voici les livres que vous pouvez vous procurer sur Amazon. 10 rituels, ce sont des rituels super super sympas à faire chez soi, c'est assez facile. Un autre ici, des rituels d'amour. Nous avons aussi la loi d'attraction. Ensuite, comment devenir une femme fatale si vous êtes une femme et le rendre fou amoureux. C'est un livre de coaching, comme si vous étiez avec moi. Et aussi, comment sortir d'une relation toxique. Tous ces livres, vous pouvez les retrouver sur Amazon, la FNAC, FNAC en ligne, pardon. Et donc, les liens sont sous la vidéo en description et en premier commentaire normalement. Et sinon, vous tapez livre de Faraquet sur Amazon et vous les trouverez. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau rituel. Mets de l'ail dans le verre pour reconquérir ton ex. Donc, c'est vraiment un rituel pour reconquérir son ex ou pour faire qu'un homme tombe amoureux ou une femme tombe amoureuse de vous. Même si ce n'est pas un ex, vous pouvez quand même le faire. Il est assez puissant et très rapide. Il est vraiment très, très, très facile. Alors, vous aurez besoin d'une bougie. Ah, moi, je l'ai déjà allumée. Vous aurez besoin d'un morceau d'ail. Et vous aurez besoin de fil rouge. Fil rouge, de, vous pouvez voir, de, ou du fil de laine, ou du fil de couture, comme vous voulez. Bon, là, c'est du fil de laine, mais bon, voilà. Alors, vous allez allumer la bougie en premier. N'oubliez pas, si vous voulez des rituels personnalisés ou avoir accès aux formations, de toute façon, sous la vidéo, dans la description, vous avez toutes les informations. Et sinon, de toute façon, toujours en début de vidéo, en fin de vidéo, j'ai laissé ou me contacter, mon email ou mon WhatsApp, uniquement si vous êtes intéressé par des rituels ou par les formations. Je ne réponds pas aux questions pour des conseils, tout ça. Ça, vous le faites sous la vidéo. Sinon, je suis désolée, je n'ai pas le temps. J'ai trop de gens alors qui me contactent et je ne fais que ça. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment, pour recevoir toutes les notifications des vidéos que je ferai. Alors, donc, pour ce rituel, comme je dis, on a besoin d'une bougie. Je l'ai allumée. D'une gousse d'ail. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va, et du fil, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la bougie. D'accord? Donc, la bougie est allumée. On va prendre l'ail et on va mettre l'ail au-dessus de la flamme, pas sur la flamme, il faut pas que ça touche, c'est au-dessus de la flamme. Et vous allez réciter « Reviens à moi, car notre amour est plus fort que tout. Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous ni nous séparer. » Vous allez répéter encore une fois. Reviens à moi, car notre amour est plus fort que tout. Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous, ni nous séparer. Vous répétez encore une fois. N'oubliez pas, avant de faire le rituel, regardez au moins 2-3 fois la vidéo pour être dans la bonne énergie, l'énergie que je vous transmets dans cette vidéo. Ensuite, vous le faites. Donc, les enfants au lit, personne qui peut vous déranger. Hein. Sinon, comme je le dis toujours, donc souvent dans les vidéos, si vous enlevez le focus, c'est foutu. Vous n'êtes plus dans le rituel. Et quand on fait un rituel, on doit vraiment être dans le rituel. D'accord? Donc, on répète, reviens à moi, car notre amour est plus fort que tout. Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous, ni nous séparer. On va le répéter encore une fois. Je le fais avec vous. Reviens à moi, car notre amour est plus fort que tout. Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous ni nous séparer. Ça fait 4 fois. On va le redire encore une fois. Reviens à moi, car notre amour est plus fort que tout. Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous ni nous séparer. Là, ça fait 5 fois. On le refait. On va faire 6 fois. Reviens à moi, car notre amour est plus fort que tout. Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous ni nous séparer. Et on le refait, on le redit une 7e fois. Reviens à moi, car notre amour est plus fort que tout.
Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous, ni nous séparer. Et là, vous dites le nom de la personne. D'accord? Toujours en gardant le like. Alors ensuite, on va prendre un bout de fil. Et on va entourer l'ail du fil. Faites attention parce que c'est un peu, ce sera un peu chaud à cause de la bougie. Donc vous ne brûlez pas. Donc vous laissez un peu, vous attendez. On fait un premier tour. D'accord? Un deuxième tour. Et un troisième tour. Le chiffre 3 est un chiffre magique dans les rituels. Ensuite, vous allez faire, j'espère que je vais pouvoir avec ma main, vous allez faire un premier nœud, toujours le premier nœud qui ne compte pas puisque... Oups, bon, c'est pas évident avec mon... Voilà. Ici. Voilà. Donc on fait un premier nœud. Ensuite, on va faire un second nœud. Celui-là ne compte pas. Celui-là, il ne compte pas parce que... Ça ne fait pas de nœud vraiment, ça peut se détacher. Voilà. Donc ça fait un nœud. On compte le deuxième en fait. Un nœud. On fait un second nœud. Voilà. Un second. Oups. Bon, ben là, il est sorti de l'ail. Voilà, hop, un second nœud. C'est qu'avec ma main, c'est un peu difficile. J'ai un petit tendon là qui est un peu tendu. Et je vais garder mon doigt au repos. Mais bon, vous le remettez. Voilà. Si vous allez refaire encore un nœud, il faut que vous fassiez. Donc, le premier nœud, il ne compte pas. D'accord? Vous faites un nœud. Puis vous refaites un nœud. Et vous refaites un nœud. Ça fait trois nœuds. Mais 4 en réalité, puisque le premier, ça ne compte pas. 3 nœuds. C'est magique, hein, ce chiffre-là. Ensuite, vous allez à nouveau répéter et mettre l'ail avec le fil rouge au-dessus de la bougie sans brûler. Hein. Ne vous brûlez pas le fil, hein. Ça va être au-dessus. Et vous allez répéter à nouveau, reviens à moi, car notre amour est plus fort que tout. Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous, ni nous séparer. Vous le répétez encore une fois. Reviens à moi, car notre amour est plus fort que tout. Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous, ni nous séparer. Ça fait 2 fois. Et vous le répétez une troisième fois. Reviens à moi, car notre amour est plus fort que tout. Rien ni personne ne pourra se mettre entre nous, ni nous séparer. Là, vous le dites 3 fois. L'autre fois, c'était 7 fois. Là, maintenant, c'est 3 fois. Ok ? On active le chiffre magique. Vous allez laisser la bougie se consumer. Vous pouvez prendre des petites bougies, chauffe-plat ou une bougie qui est plus longue. Et vous allez laisser l'ail à côté. D'accord ? Près de la bougie. Voilà. Quand la bougie est consommée, bah, vous jetez la bougie. Et ceci, vous allez les jeter dans la rue pour qu'ils s'en aillent en fait et que le rituel fasse effet. Jeter dans la rue n'importe où, sur la terre, sur des dalles, mais il faut que ça sorte de chez vous. Et donc voilà, alors j'espère que vous aurez aimé ce rituel. Je vous invite à liker, commenter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, commenter. Et si c'est un peu compliqué pour vous, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez, de toute façon sous la vidéo aussi, il y a les formations rituelles, il y a la loi d'attraction aussi, pardon, il y a aussi les rituels personnalisés que je ferai à votre place. Et donc voilà, on se retrouve à partager sur les réseaux sociaux, on se retrouve pour un nouveau rituel.